Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Web Girondin Télé pour ce débrief à chaud. On est ensemble pour une heure pour débriefer ensemble. Malheureusement, on avait pris de mauvaises habitudes, on en discutait tout à l'heure avec Mehdi et avec Secta. On avait pris des mauvaises habitudes hein, puisque bah, voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas perdu. Première défaite de la saison. On va prendre le temps justement de débriefer cette malheureuse défaite avec nos intervenants que je salue d'emblée. Salut Mehdi, bienvenue à toi. Salut Antoine et salut à tous. Comment ça va en ce dimanche? En ce samedi, Écoute, pardon. ça faisait un moment que je n'étais pas intervenu au débrief à chaud, une défaite. Je pense que je suis le chat noir de l'équipe, mais bon, sinon ça va, hein, ça va, ça va. Écoute. Faudra qu'on te réinvite pour une victoire. Il y en aura d'autres. Il y en aura Ouais. d'autres. Forcément, quand même, je l'espère, des motifs de satisfaction, même si forcément, dans cette défaite, on a quand même vu les limites un petit peu de ce collectif bordelais aujourd'hui. Nikos, avec ce maillot à une étoile, j'ai l'impression, hein, Ouais, on n'est pas à jour. Hein. c'est un vieux maillot. Bonjour Antoine, bonjour Mehdi, bonjour Secta et bonjour les sociaux, c'est tous ceux qui nous suivent. Un plaisir de te retrouver, Nikos. Et enfin, Secta, qui est également avec nous. Salut Secta, comment Salut les vas-tu? amis, salut, ça va bien malgré le résultat qui pour Ouais. moi devait arriver à un moment donné. Et donc voilà, il est arrivé ce soir. Bon, je te sens un peu résigné quand même, Secta, là, pour le coup. Non. Tu... Bon, on en reparle, t'inquiète pas. Non, J'espère en tout non. cas que justement, ton côté positif, cet élan positif, va Oui. rejaillir à un moment donné durant ce débrief. On va retrouver, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que là dans les commentaires, je n'ai pas encore regardé les commentaires, je suis persuadé qu'il y en a qui se demandent où est Nico. Nico est au stade, ça faisait, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans qu'il n'était pas allé au stade. Non, je rigole, bien évidemment, ça faisait quelques temps depuis Ça qu'on a fait le démarré temps. justement les débriefs à chaud. Et on s'est dit justement que on ferait un duplex avec lui. Donc on va le retrouver d'ici une dizaine de minutes à peu près pour un duplex en direct du stade, normalement. On devrait également avoir, et vous voyez, le petit logo d'ARL qui est notre partenaire pour ces débriefs à chaud qui sont à domicile. On devrait retrouver Dorian Malvezin normalement à un moment donné, si tout va bien, pour du coup le retrouver. Je vois qu'il m'a envoyé un petit message justement, certainement en zone mixte ou non, bah, directement depuis la tribune de presse. Enfin voilà, il sera certainement bien accompagné en plus de ça. Donc on aura, vous le voyez, au final, ça va être un débrief animé. Et c'est le but. On remercie bien évidemment, vous le savez, c'est la tradition, les sociaux qui sont là au quotidien. Pour eh bien, aider cette web télé afin qu'on puisse vous proposer tous ces programmes. N'hésitez pas à réagir hein, tout au long de cette émission. On va relayer vos messages autant que faire se peut. À également liker la vidéo, vous le savez, ça aide également Web Girondin Télé dans le référencement et à vous abonner à la chaîne sur YouTube notamment. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Du coup, en attendant que Dorian nous rejoigne, que Nico nous rejoigne, un petit peu plus tard également. Je vais commencer bah, par toi, Mehdi, justement, ta réaction à chaud suite à cette première défaite de la saison. Je te dirais sentiment mitigé, à la fois réaliste en me disant de toutes les manières face à une équipe de Caen qui est un des pionniers de cette Ligue 2, potentiel vainqueur, voire même pour la montée, une défaite qui arrive. Mais je ne les ai pas tellement sentis au-dessus de nous malgré la jeune équipe, malgré le manque. Alors, je ne parlerai pas de talent parce que c'est, mais d'expérience plutôt. Donc, assez mitigé. Ensuite, je te dirais que je comprends pourquoi l'année dernière, le petit Louis-Jean ne jouait pas. C'est beaucoup trop fébrile à droite. Les latéraux n'ont pas montré le travail. Enfin, surtout Ekhomie n'a pas montré ce qu'il avait bien fait en début de championnat. Et ça nous montre aussi que Josh Maja, devant tout seul, c'est très compliqué pour lui. C'est très, très compliqué. Mais dans l'ensemble, on va rester positif quand même. On n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas aussi que ces petits-là, eh ben, n'empêche, ça glane 8 points quoi, en Ligue 2. Pour la plupart, ils n'ont jamais joué au niveau professionnel. Ils étaient en N3 l'année dernière. Donc ouais, sentiment mitigé, mais du positif. Merci Mehdi. Je vois que Dorian vient de nous rejoindre également d'ARL. Salut Dorian, comment vas-tu? Salut les gars, salut à tous, vous m'entendez bien?
Oui. Écoute, on t'entend bien, on t'entend même très très bien. Hop, ah, je te parfait. Mets en grand écran. Tu es bien accompagné en plus de ça. Je suis avec Laurent Brun. Laurent Brun est également avec, avec toi, qu'on salue. Dorian, qu'on ne présente plus, hein, habitué des débriefs à chaud. Tu as commenté le match sur ARL. Vous avez peut-être suivi d'ailleurs la rencontre également sur ARL, hein, pour ceux qui suivent ce débrief. Bon, comment t'as senti, quelle est ton analyse en quelque sorte de cette malheureuse défaite des Girondins, la première de cette saison? Alors, exceptionnellement pour cette rencontre, j'étais pas en tribune de presse, j'étais au bord de pelouse parce que je devais faire des photos pour la rencontre. Donc, c'est vrai que niveau angle de vue, c'était un peu compliqué pour voir l'opposé de ce qui se passait. Mais en résumé, peut-être, c'est peut-être une défaite qui peut faire du bien aux Girondins de Bordeaux, ce 1-0. C'est la première fois qu'on voyait Bordeaux en Ligue 2 être mené au score, parce que comme vous le savez tous, hein, elle a encaissé 0 but. On a vu, je pense, de bonnes petites choses niveau défensif. Après Guingamp, ils ont fait un assez haut pressing, surtout sur les relances des Girondins de Bordeaux. Donc, assez mitigé quand même, mais ça peut être intéressant pour la suite de voir comment cette équipe va évoluer. Et je pense qu'il faut qu'elle évolue assez vite quand même. Est-ce que tu as le sentiment, Dorian, qu'on a atteint une sorte de plafond de verre un peu avec ce 11-là, ce 11 type ou est-ce que tout simplement c'est... juste que Guingamp était trop fort pour les Girondins aujourd'hui. Eh ben, si tu veux, moi je pensais qu'on avait tiré déjà sur l'effectif déjà lundi face à Grenoble. On a senti, même si les Grenoblois n'étaient pas non plus très dangereux, hein, par rapport au Bordelais, mais on a senti qu'ils avaient du mal offensivement à faire quelque chose devant les cages. Là, Guingamp, bien sûr, c'est le niveau supérieur. Ce qu'ils veulent, ils veulent vite remonter en Ligue 1 aussi, Guingamp. Ouais. Donc voilà, ils ont mis les moyens. On a vu que ce n'était pas pareil par rapport à ce qu'on a vu. Maintenant, à voir est-ce que ça va continuer, parce que je pense que tu l'as dit, mais il y aura un match mardi, il y aura un match samedi. On a vu qu'il y a eu énormément de cartons jaunes encore cet après-midi. Donc là, je pense que la sirène doit être allumée assez rapidement pour commencer à faire quelques changements. Par contre, j'ai bien aimé, même si je sais que c'est son poste habituel, mais Bokilio en défense centrale, j'ai trouvé très costaud et très rassurant tout de même. Ok, des motifs de satisfaction, du coup, c'est ce que tu signales également. Je ne sais pas du coup si Laurent... J'ai passé le casque à Laurent. Un casque, voilà, on va solliciter directement l'expertise de Laurent qui était à côté de Dorian du coup. Laurent, une réaction du coup sur suite à cette première défaite des Girondins cette saison. Bonsoir à tout le monde. Ben, la réaction c'est que c'est frustrant mais apprentissage quoi. Apprentissage du haut niveau. Il faut, enfin Dorian l'a dit tout à l'heure, il faut que cette défaite elle serve à ces jeunes joueurs qui doivent en tirer un bénéfice certain, parce que certes ça fait zéro point, mais il faut s'appuyer sur ça, voir ce qui n'a pas fonctionné. Je pense en toute humilité qu'il n'y a pas eu assez de liant entre le milieu et l'attaque. On a vu trop peu de situations de but. Après, attention, hein, Gaëtan Poussin n'a pas été tellement embêté non plus, hein, non. Sur l'après-midi. C'est vrai. Mais voilà, ça manque un peu de percussion. Et puis Bordeaux s'est quand même heurté à une équipe expérimentée, je pense, dans tous les compartiments du jeu, quoi. Que ce soit dans le domaine athlétique, mais aussi dans la malice, dans les petites fautes. Alors, Bordeaux a répondu, hein, puisque Dorian l'a dit, il y a eu des cartons, il y a eu des fautes. Ça a été un vrai match de Ligue 2, quoi. Haché, avec très peu d'occasions de but. Bon, finalement, Guingamp s'est mis à l'abri très vite et on a vu peut-être, effectivement, tu parlais de sirène, que le Bordeaux a peut-être touché son plafond, là. C'est pas facile, hein. Ces jeunes joueurs, ils jouaient l'année dernière en National 3, c'est-à-dire contre l'Aige, contre des équipes comme ça, donc ça, le niveau, ça change quand même. D'autres jouaient en U19, donc il faut, c'est vraiment un apprentissage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le temps. Il faut apprendre en accéléré, donc il faut tirer les enseignements de ce match. Après, moi, je reste persuadé que David Guillon a pu faire des changements plus tôt. Bon, on ne saura jamais si ça aurait porté quelque chose ou pas, mais je trouve qu'il l'a fait de façon un peu tardive. Après, il a bien géré le coup en sortant des joueurs qui avaient des cartons jaunes aussi, parce qu'il faut penser à ça. Je sais qu'Inatenko sera suspendu samedi face au Paris Football Club. Voilà. Donc, il faut aussi gérer ça. Voilà, c'est pas un mauvais match, parce que les Girondins ont donné quand même. Hein. Je trouve qu'ils ont essayé. Voilà, ça n'a pas marché, c'est tout. Ça n'a pas marché. Et Guingamp a été peut-être un peu plus expérimenté. Voilà, il faut s'inspirer de ça et puis continuer à avancer. Il ne faut pas que ça casse la dynamique. Mais je pense qu'il va quand même falloir... débloquer un peu l'effectif, la masse salariale pour recruter ou en tout cas homologuer les joueurs qui sont là et qui attendent dans le couloir, quoi. Et justement, est-ce qu'il y a des raisons d'être un peu inquiet, parce qu'on le voit en salle d'attente, au final, on a uniquement des joueurs à vocation défensive qui sont sur le point de rejoindre l'effectif potentiellement si cette masse salariale est réduite. Or, il semblerait que
défensivement, on ne soit pas justement tant en difficulté que ça. Même aujourd'hui, face à une équipe qui était quand même plutôt intéressante offensivement, en tout cas depuis le début de la saison. Est-ce que toi, tu es inquiet justement sur la probabilité, la possibilité pour cette équipe des Girondins de se renforcer au niveau de l'attaque? Il n'y a pas forcément beaucoup de pistes, en tout cas, d'après ce qu'on entend pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Le point noir aujourd'hui, en tout cas. C'est ce qu'on a, on n'a pas eu beaucoup d'occasions au final. Mais inquiet, oui et non, parce qu'il y a encore un peu de temps. Il va falloir voir ces jeunes joueurs offensifs s'exprimer. Donc, ça ne va pas se faire comme ça, d'un match à l'autre. Hein. Moi, je suis content de voir des garçons comme Piringuel, comme ouais. Delima. Voilà. C'est bien, ils ont du talent. Ils ont du talent. Maintenant, comme on le disait, il n'y a pas le temps, en fait. Il en faut du temps, mais il n'y en a pas. Est-ce qu'Albert Ellis va rester? On ne sait pas. S'il s'en va, ça fera encore une arme offensive en moins. Josh Maja, bon, l'imposture, quoi. Moi, je suis sportive, hein, donc je suis désolé, mais je n'ai absolument rien contre. Hein, je le dis à chaque fois, mais il ne pèse pas sur le jeu, certes. Depuis le début de la saison, il a fait deux passes décisives magnifiques, mais on attend autre chose. Regardez bien, les ballons aériens, il n'en a pas pris un seul depuis le début du championnat. Et il a pris un ballon de la poitrine tout à l'heure. Alors après, si on sait qu'il ne peut pas gagner les duels aériens, il ne faut pas lui mettre des ballons aériens non plus, on est d'accord. Mais il n'apporte rien. Donc, je trouve que ça fait aussi un élément offensif, pas offensif du tout. Donc, il y a urgence. Inquiétude, je ne sais pas, mais il y a urgence, oui. Urgence, clairement. D'ailleurs, sur Web Girondin Télé, on aura une émission spéciale. Je crois que ce sera jeudi prochain, puisque le mercato se clôt le 1er septembre. Et on espère forcément des recrues offensives. Laurent, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter potentiellement, quelque chose qu'on n'a pas forcément eu le temps d'évoquer sur ces 3-4 minutes. Je sais pas, j'ai trouvé, hormis sa petite bêtise qui coûte cher, Bokele a fait, je trouve, un très très bon match. Lui, par contre, dans le duel, il y a été. Je dis pas que les autres n'ont pas été dans le duel, mais ils ont été un peu chétifs parfois, d'où la méconnaissance du niveau. Mais Bokele, c'est très intéressant d'un point de vue défensif sur les ballons aériens et qui pourrait peut-être se transformer en avantage offensif sur les coups de pied arrêtés si Bordeaux s'en procure un peu plus. J'entends par là coup franc corner. Ça peut être intéressant que ce garçon monte à la tête pour aller marquer des buts. Ça pourrait rejoindre un peu le sujet précédent sur l'offensive. Mm-hmm. Ça serait sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Lui, je trouve qu'il est vraiment intéressant dans cette position-là et au niveau athlétique. Voilà. Je voulais le souligner parce que je trouve qu'il a fait un bon match, même s'il y a eu un raté qui a coûté cher. Mais je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà. Bon, je voulais le dire. Bien évidemment, la performance du joueur dans sa globalité, et puis on va couvrir de toute façon l'essentiel, je dirais, des performances également individuelles de ce collectif girondin. Merci Laurent. Merci à vous tous. Bonne continuation. Bonne continuation. Merci. Également. À très vite sur Web Girondin Télé. On va dire un dernier petit mot peut-être à Dorian. Alors je ne sais pas si tu... Je pense que tu vas aller en zone mixte, Dorian. Exactement. Si on va avoir des réactions en direct. Mais si tel est le cas, en tout cas, on te donnera la priorité au direct. Il y aura des réactions, que ce soit direct ou pas direct, mais il y aura des réactions, vous inquiétez pas. Super. Bon, merci Dorian, tout à l'heure. En tout cas, d'être passé à tout à l'heure sur Web Girondin Télé. Et je vais donner tout de suite la parole maintenant à Mister Secta. Secta, une réaction sur suite à cette défaite, et peut-être que tu veux rebondir un petit peu sur les mots de Dorian et les mots de Laurent. Oui, je suis déçu. Je suis essentiellement déçu comptablement parlant, parce qu'on n'a pas des points que je pense qu'on pouvait avoir, au moins un. En fait, je pense qu'on pouvait au moins avoir un point ce soir, parce que le but vient sur une faute de Bordeaux. Et mais sinon, bon, ça, à un moment donné, ça devait arriver. Et presque à un moment donné du but, j'ai été un petit peu, je veux dire, soulagé. Il faut prendre ça avec des pincettes, dans le sens où cette histoire de pas de but encaissé, ça pouvait devenir vite fait un genre de truc stressant. Donc, on a évacué ça. On reste une défense solide, ça se voit. On n'est pas vraiment mis en danger. Mais on a évacué ce truc de on prend pas de but, parce que ça peut devenir un peu chiant à tenir au bout d'un moment. Et voilà. Donc ça, c'était un premier truc, un premier point qui où ça ne m'ennuie pas que ça soit arrivé, là. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est vraiment dommage. Moi, j'ai une forme de frustration parce que on en parlait tout à l'heure. Je suis pas certain que l'équipe de Guingamp ait un deuxième tir cadré à part le but. Je suis pas certain. J'ai pas mémoire d'un arrêt. On a vraiment une défense solide. On a vraiment une organisation qui est en place. On a un vrai problème, à mon avis, toujours, je l'ai dit la semaine dernière, au niveau du milieu de terrain. Mm-hmm. Parce que on va en parler. Nos défenseurs sont
capables. Bon, voilà, ils se débrouillent. Les attaquants sont un peu livrés à eux-mêmes. Il y a des manques, quoi. Il y a des manques. Et à mon point de vue, ce n'est pas forcément les jeunes qui sont en manque, quoi. Ce n'est pas forcément les jeunes qui sont en défaut, pardon. Ce n'est pas forcément les jeunes qui sont en défaut. Les jeunes sont à leur niveau. C'est plutôt les joueurs expérimentés qui ne relèvent pas ce 11. Oui, absolument. Okay. Dans eux en particulier, mais on reviendra dessus. Bon, super, Secta, merci à toi. Avant d'accueillir Nico, qui est dans les backstage en direct depuis le stade ou l'extérieur du stade. Nikos, ton sentiment également suite à cette défaite 1-0 des Girondins contre Guingamp? Alors, on ne t'entend pas, Nikos. Je crois que je ne sais pas si... Oui. Ouais, voilà, c'est mieux. Ton micro. Ouais, je suis très frustré, en fait. Je suis très, très déçu du niveau de Guingamp. On a l'air de dire qu'on a rencontré une top équipe de la Ligue 2. Si c'est ça la top équipe, il nous faut juste deux ou trois bons joueurs et puis on va y arriver, quoi. Parce que franchement, c'était très très faible en face. Et nous, on a été encore plus faible, quoi, évidemment, puisqu'on n'a pas été capable de gagner. Après, j'ai entendu Secta dire nos joueurs d'expérience. J'aimerais savoir c'est qui les joueurs d'expérience, à part Franck Sergio. Oui. Oui. Les joueurs qui ont signé un contrat professionnel, moi, je vise les trois joueurs du milieu de terrain. Parce que parmi les joueurs qu'on a, les trois les plus mûrs, c'est les trois du milieu de terrain. Parmi toute l'équipe, c'est les trois plus mûrs. Donc, Lacou a déjà un certain passé avec Bordeaux quand même. Il a joué, il ne débute pas comme les autres. Ignatenko, il était quand même titulaire là d'où il vient. En Ligue Pro, donc voilà. Et bon, on parlera pas de notre master chef, Franck Sergio, où là vraiment c'est catastrophique de match en match, quoi. C'est vraiment mauvais, quoi. C'est vraiment mauvais. C'est pas bon à la passe. C'est pas clairvoyant. C'est lent. C'est très très lent. Mais je veux dire lent, pas forcément dans la course. Je parle de lent dans l'exécution, voilà. Alors, il y a eu des projections offensives. On fera un focus, justement, Franck Sergio, et un focus Ignatenko aussi, parce que je pense qu'il faut en parler. Nico, on te laisse juste poursuivre avant d'accueillir Nico dans un instant. Oui, non, c'était juste pour dire, ouais, les joueurs d'expérience, il ne faut pas oublier que Ignatenko et Gregersen et Lacou n'ont pas plus de 23 ou 24 ans. Hein, donc, ce n'est pas non plus des gros baroudeurs et qui n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas des séries entières. Ça peut être des joueurs qui peuvent tirer le reste du groupe et ces jeunes vers le haut. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on est en mesure un petit peu d'attendre pour certains d'entre eux, pas tous. J'attends ça de Franck Sergio, oui, mais pas forcément des autres. Okay. Mais bon, voilà, le niveau technique très bas. Un Bakwa qui est en train de se perdre. J'avais annoncé dès le premier match, j'ai dit attention, ce gars-là, il est en train de trop vouloir dribbler. Et on s'aperçoit que c'est ce qu'il est en train de faire. C'est qu'il veut, dès qu'il a la balle, il veut que dribbler. Il ne sait pas passer la balle. Bon, Maja, n'en parlons pas, il est inexistant. Même quand Elis, il rentre, il joue sur une jambe, on le voit beaucoup, 10 fois plus que Maja, c'est pas normal. Maja, on l'a pas du tout vu du match, je sais même pas s'il a une fois le ballon en position dans la surface. Voilà, notre défense assez égale à elle-même, malgré tout, malgré cette faute malheureuse de Bokele, mais une bonne défense. Et même à la récupération, même nos milieux de terrain, à la récupération, ils sont pas trop mauvais. Ils sont mauvais dans l'utilisation, mais dans la récupération, on n'est pas si mauvais que ça. Mais bon, voilà, techniquement, des contrôles laborieux, des passes laborieuses, voilà, c'est toujours le même problème. Ok, merci Nikos. Alors, on va avoir justement une autre perspective, parce que regardez, il est là, hop, je mets en grand écran, en direct, depuis l'extérieur du stade du Matmut. Nico, bonsoir. Salut, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On t'entend très très bien. Très très bien, on est ravis de te voir dans un autre contexte pour le coup. Et tu as rendu... Ça fait bizarre. Là, ça fait très très bizarre. Très très beau maillot quand même, hein. Il faut bien l'avouer. Ouais, le maillot, je vous laisse chercher l'année du maillot. Hein. C'est avant le titre ou c'est l'année du titre 96, 96, 97. D'accord, 96, 97, voilà, c'est ça exactement. Voilà, JPP, si mes souvenirs sont bons. Bon, ouais. Nico. Salut Antoine, salut Nikos, salut Secta et salut Mehdi et salut à tout le monde. Voilà. Salut Nico. Il y a du monde, hein, d'ailleurs, et envoyez du like là pour Nico en direct du stade. Nico, alors, tu vois, Mehdi disait qu'il était le chat noir. Je ne sais pas si tu es le chat noir de cette équipe depuis le début de la saison. On te renverra au stade pour une victoire. Quelle est ta perspective, ton analyse, je dirais, de cette défaite des Girondins? Est-ce qu'il y avait mieux à faire sur ce match pour les Bordelais?
Alors, j'ai entendu un petit peu ce que vous avez dit. Alors, moi, je ne suis pas du tout frustré parce que j'ai passé un super moment, que ce soit avant le match, pendant le match et maintenant. Le plaisir d'aller au stade. Et je me dis, le foot, ça se vit au stade. Si on peut, ça ne se vit pas devant la télé. Bon, des fois, on ne peut pas. Ça m'arrive de regarder à la télé souvent. Mais le foot, ça se vit dans un stade. Ça, j'en suis persuadé. Et ça me conforte dans cette idée. Donc, si vous êtes à Bordeaux, vous supportez les Girondins, allez encourager cette équipe parce que je trouve qu'elle le mérite. Et moi, j'ai vu un bon match. Je trouve que j'ai vu un bon match des Girondins. J'ai pas d'attente particulière cette saison sur cette équipe. Je crois qu'on concède quasiment pas d'occasion. On leur donne le but en première mi-temps et on concède très très peu d'occasions dans le match. On s'en crée quelques-unes, pas franches. Je trouve qu'ils se sont pas laissés déstabiliser par cette ouverture du score. Au contraire. Ils ont essayé de garder leur base, ils ont essayé de faire tourner, d'être un petit peu percutants, mais on voit les limites de cet effectif et les limites de ces joueurs. Et heureusement qu'on a une organisation qui est plutôt fiable et qui a été mise en place par le staff depuis le début de la saison, parce que s'il y a un partout aujourd'hui ou 0-0, si on ne fait pas d'erreur, il y a 0-0 dans ce match. Donc l'erreur de Bokele, malheureusement, elle nous coûte un point, elle ne nous coûte pas plus. Tu te dis qu'il faut renforcer ce milieu de terrain pour amener de la créativité, de la percussion à cette équipe. Défensivement, ça tient le choc. On a vu des joueurs très très jeunes qui sont rentrés en jeu, qui ont eu plus de temps de jeu que d'habitude. Pierre Inguel, première apparition. C'est très très jeune, quoi. Quand tu les vois, t'as l'impression qu'ils ont 16 ans, hein. Mais ils sont un tout petit peu plus vieux. Ils ont 17 ou 18, hein. Donc, 2004, ouais. Pour les plus vieux, quand même, ils sont même pas connus la France championne du monde et championne d'Europe. Eh oui. Donc, tu te rends compte, le maillot que j'ai sur les épaules, ils le connaissent pas, ils étaient pas nés. Donc, il faut être lucide. Moi, j'ai l'impression que je suis lucide quand je dis ça. J'ai pas d'attente. On voit ce qui manque à cette équipe pour jouer le haut de tableau et la montée. On le savait qu'on avait pas une équipe pour jouer la montée, moi je le savais, j'attends pas autre chose que le maintien cette année, parce qu'on a des jeunes joueurs, parce qu'on n'a pas de renfort, et parce qu'on fait jouer des joueurs qui n'étaient même pas titulaires en National 3, donc on les fait jouer en Ligue 2, dans le professionnel. Donc aujourd'hui, moi j'ai vu un bon match, je trouve qu'ils vont apprendre avec cette rencontre-là, j'en veux pas du tout à Bokele d'avoir fait son erreur, parce que c'est des joueurs qui sont en train d'acquérir l'expérience, souvenez-vous Koundé, l'erreur qu'il fait en Coupe d'Europe face à Saint-Pétersbourg, et on voit qu'il a progressé depuis. Et on voit où il est, et il est à Barcelone. Donc, il faut leur laisser du temps. Laissons-leur du temps. Et si le propriétaire du club, au lieu de nous recruter 5 défenseurs, pouvait penser peut-être à recruter des milieux créatifs ou des attaquants, parce qu'un effectif, ça ne se construit pas qu'avec des défenseurs. Donc, il faut aussi aller chercher à mettre le danger, à marquer des buts. Ils travaillent dessus. J'ai eu une petite indiscrétion tout à l'heure. Plutôt juste, je vous la donne tout de suite. Donc on a vu, c'est dans l'équipe qui disait que Bordeaux était sur Ilan Kebal, et oui, moi on me l'a confirmé tout à l'heure, oui, Bordeaux fait le forcing pour ce milieu de terrain du stade de Reims, Ilan Kebal, pour un prêt avec une option d'achat. Ils font le forcing là. Alors vous allez me dire, ok, mais on a 4 joueurs qui peuvent pas jouer, hein, qui sont en liste d'attente, et on fait le forcing pour un autre. Donc voilà, donc on sait que ça travaille. Peut-être bousculer les cartes justement et l'ordre préétabli. Voilà, donc peut-être, mais bon, c'est un très jeune joueur quand même. Ouais, formé au Girondin. Donc voilà, moi, ce que j'ai à dire, ce que je regrette dans l'organisation, et ce que mon point négatif quand même, c'est Fran Sergio Ignatenko. Je trouve que c'est des joueurs où moi j'attends plus par rapport à tous ces jeunes et post-formation comme Bokele qui a déjà 22 ans hein, quand même. Qui font l'effort, qui font le job. Je ne sais pas si Fran Sergio, c'est de la nonchalance, mais moi, je trouve qu'il ne se donne pas à fond. Et je le trouvais à la télé et du stade, je le trouve aussi, je suis désolé. Ce joueur-là, s'il avait un salaire à 100 000 euros, il serait dans le loft. Donc, il a un salaire à 50 000, donc on ne le met pas dans le loft. Mais il serait dans le loft, je veux dire, ça ne vaut pas mieux qu'un Quatingue, hein, Fran Sergio, hein, soyons lucides. Hein, ce mec-là, il a niveau Ligue 2 moyen, quoi. Pas plus, quoi. Pas plus. Et il apporte rien. Donc, peut-être qu'il apporte dans le vestiaire, mais bon, voilà. Donc, je suis très déçu par ce joueur et Ignatenko aussi, qui ne joue pas à sa place dans ce milieu à 3. C'est que tu as parlé du milieu à 3 avec Lacou, Fran Sergio, Ignatenko. Ignatenko, c'est un 6, c'est pas un relayeur, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a encore beaucoup de travail pour construire l'effectif.
Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nico, avant Non, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Belle ambiance au stade, hein, néanmoins. Je pense que voilà. Oui, ça, c'était super. Voilà, je salue tous les sociaux que j'ai vus avant le match. Gino, il y avait Cédric avec sa compagne Caroline, Dylan et tous les autres. Je ne pourrais pas tous les nommer. Et tous les gens qui m'ont dit bonjour, je les salue. Voilà. Bon, c'est top, Nico. On te retrouve, je pense, demain pour le talk. Alors là, du coup, ça ne sera pas demain, ce sera lundi à chaque fois, je pense. Ouais. Je pense qu'on est dimanche aujourd'hui, désolé. Ouais. Et ça sera un talk super intéressant parce que, ouais, bien évidemment, vous allez revenir sur cette défaite. Et il y a aussi, ça sera la veille du match contre Quevilly, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, il y aura plein de choses à évoquer. Mais on a encore une demi-heure devant nous pour débriefer cette rencontre. Nico, merci. Et merci, Antoine, de m'avoir permis d'aller au stade. avec plaisir, allez. On refera ça. De toute façon, c'est toujours sympa aussi d'avoir justement cette perspective et des duplex en direct du stade. Et on va certainement retrouver tout à l'heure notre ami Dorian avec des réactions en direct. Il est dans la zone mixte, là. Il attend les joueurs, justement. Allez, salut à tous. Merci. Ciao. Bonne soirée, bonne émission. À plus tard, Nico. Mehdi, du coup, on va justement évoquer ce qui n'a pas forcément marché pour les Girondins aujourd'hui. Est-ce que tu veux t'attarder justement sur des performances individuelles? Je sais que vous avez été plusieurs et je vois que dans le chat, effectivement, vous ciblez pas mal le milieu de terrain également. Est-ce que de ton côté, Mehdi, c'est également... la zone, je dirais, d'ombre, justement, la part d'ombre côté Girondin que tu souhaites mettre en avant? Ouais, forcément, parce que c'est le lien entre la défense et l'attaque. On sait qu'on a une défense correcte, vraiment très, très correcte, qui se bat avec ses armes. Une attaque qui est un peu en dents de scie, mais des petits qu'ont du talent. Et ouais, dans ce milieu, comme l'a dit Nico, c'est normalement les personnes les plus expérimentées, hein, que j'englobe Lacou, Fran Sergio et Niatenko. Mais ouais, non, c'est Fran Sergio, ça court à 9 km/h. J'ai l'impression qu'il y a une caravane qui est plus grosse que... Je vais être insultant, donc je vais m'arrêter là. Soyez respectueux envers voilà, les joueurs. Donc non, ouais, c'est quand même fou de se dire que ce genre de personne... qu'est-ce qu'on lui a trouvé pour aller le chercher à ce prix-là, surtout? C'est vraiment, vraiment incroyable. Donc ouais, ce milieu... des fois, j'ai l'impression que y a aucune créativité, ça court sans plus. Sur le repli défensif, Fran Sergio, il ne sert à rien. Donc, s'il apporte pas offensivement, à quoi il sert? Donc voilà, j'étais un des premiers à me dire que arriver en Ligue 2, un championnat beaucoup moins rapide, il aurait pu faire quelque chose. Jusqu'à preuve du contraire, il nous a rien prouvé, quoi. Hormis sa passe, son accélération contre je sais plus quel club, mais c'est Rodez. Merci Rodez. Hormis Rodez, voilà quoi. C'est très 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 faible. Hein. Très, okay. Très faible. Secta, est-ce que tu veux rebondir un petit peu sur ce milieu de terrain et je vois également, et je sais que tu aimes bien ce joueur, et tu vas peut-être saisir cette opportunité pour le mettre en avant. On parle beaucoup de Sissoko justement dans le chat, Secta. Est-ce que justement, oui, avec les prochains matchs qui arrivent, potentielle rotation avec l'absence d'Ignatenko, est-ce que c'est le moment de relancer Issou Sissoko? Je pense que de toute manière, ça va arriver, il n'aura pas le choix. Hein. Physiquement, les mecs vont commencer à piocher, les cartons arrivent, les cartons s'enchaînent et s'accumulent, donc il va bien falloir faire quelque chose. Ça, c'est une première chose. Je voulais juste préciser que lorsque je parlais des anciens, je l'ai dit tout à l'heure, je parlais évidemment du milieu de terrain, parce qu'en défense, tout le monde joue son rôle. Donc, il n'y a pas de souci. On parlera des satisfactions tout à l'heure, justement. Voilà, non, mais parce que, comment dire, il y a aussi quelqu'un avec d'expérience en défense centrale. J'ai oublié son nom de famille, notre international... Gregersen, qui est là et qui, lui, tient son rang. Il n'y a pas de souci. Donc, je voulais quand même préciser ça, parce que aussi, j'ai vu ça passer. Je parlais vraiment du milieu de terrain. Donc, justement, pour parler du milieu de terrain, je pense que là, aujourd'hui, même si on a des soucis en attaque, même si nos jeunes sur les ailes sont inexpérimentés, voire légers, lorsque je dis légers, c'est-à-dire ils ont du talent,
mais il peine, par exemple, à chaque fois sur les hommes, on a un défaut de puissance physique. Parce que pour déborder, il faut avoir une certaine puissance de course pour s'arracher après le dribble, suite à un dribble, et ça, on ne l'a pas. Et ce n'est pas par rapport à la taille, hein, Messi est très petit, mais lorsqu'il vous met un crochet et qu'il accélère ensuite, il vous met 2 mètres dans la vue tout de suite. C'est ça, cette puissance-là. Donc ça, c'est la jeunesse, et ils ne sont pas encore formés au niveau athlétique et tout ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais au milieu de terrain, ce que je leur reproche, c'est pas ça. Ce ne sont pas des défauts de leur âge ou des défauts athlétiques ou des défauts de ce type. C'est vraiment d'être en deçà de leur niveau supposé, de manière répétée, voire à avoir pour leur bagage, pour leur niveau, pour leur expérience, pour leur vécu, d'avoir des lacunes qui sont quasi inadmissibles à ce niveau-là. Vous voyez où je veux en venir ? C'est ça que je leur reproche. C'est que par rapport aux mecs qui sont, et de là d'où ils viennent, ils ne peuvent pas nous sortir ces copies-là. Vous voyez, alors j'entends qu'Ignatenko est encore jeune, mais franchement, alors peut-être 25 ans, hein. Petit Zanikos, comment 25 ans, on est d'accord. Donc c'est moi non, je peux pas. À un moment donné, il faut dire les choses. Et Ignatenko, 12 pertes de balles. Excuse-moi sur Ignatenko, justement, il faut qu'on fasse un petit focus aussi sur lui parce qu'on pointe très souvent Franz Sergio, mais Danilo Ignatenko qui nous avait montré de belles choses quand même la saison dernière. C'était l'une des satisfactions hein, du recrutement hivernal de l'an dernier. Il a du mal là à confirmer justement ces petits espoirs placés en lui. Exactement. Ça, il arrive à sa limite. Et je pense que chacun des joueurs du milieu de terrain a besoin d'au moins une personne qui donne le tempo dans le milieu de terrain. Et les trois, aucun d'entre eux n'est un leader technique, tactique, physique, enfin physique si, mais un leader technique, tactique dans ce milieu de terrain. Aucun des trois. Donc ce sont en fait des accompagnateurs, mais aucun leader dans les trois. Je n'en trouve aucun, honnêtement. Hein. C'est un souci. Et je pense que les soucis actuels de l'équipe réside dans ce défaut du milieu de terrain. Nikos, est-ce que tu veux rebondir justement sur ce milieu de terrain qui semble être, je dirais vraiment, pas le cadet de nos soucis, au contraire. C'est notre gros point noir. Exactement. C'est notre gros point noir. Moi, je voudrais quand même rappeler, malgré tout, parce qu'on s'acharne un peu sur Franz Sergio, à juste titre, hein, c'est un mauvais. On ne va pas dire qu'il est bon, il est pas bon. Mais malgré tout, les peu d'actions qu'on a eues sur ce match, c'est quand même lui qui les a démarrées, voire essayé de terminer avec des tirs en dehors de la surface de réparation. C'est le seul qui a essayé de tenter un petit peu, voilà, pour essayer de contrebalancer. C'est la réalité. Hein. Il s'est projeté effectivement beaucoup vers l'avant. Alors, pas toujours avec franche réussite, mais il faut quand même le signaler. C'était l'un seuls qui a essayé sur ce point-là. On s'acharne un peu sur lui. Parce qu'en fait, faut qu'on justifie un petit peu la mauvaise qualité technique de l'ensemble de l'équipe. Et en fait, c'est peut-être le reproche que je nous ferais, c'est qu'on s'acharne à chaque fois sur un joueur. Alors en ce moment, c'est Franz Sergio. L'année dernière, c'était Adli. Parce qu'en fait, c'est toute l'équipe qui n'est pas bonne techniquement. Quand on voit les contrôles qu'ils font, les passes qu'ils font, c'est très très laborieux et c'est pas à chaque fois Franz Sergio qui ou donne la passe ou reçoit la passe quoi. C'est tous les joueurs. Quand je vois même de Laurier Chaubé, il a été très limité encore aujourd'hui. On attend beaucoup de lui, on le voit comme un super joueur plus tard. Ouais, je suis pas sûr. C'est quand même celui qui nous procure justement la plus belle occasion de ce match, Nikos. Ouais, c'est vrai. Mais en dehors, excusez-moi, en dehors des joueurs du milieu de terrain. Et en dehors de Greg Gersen, je mets à part le gardien, tous les joueurs de champ, ils ont tous plus de 5 matchs de pro. C'est pas possible. Donc, c'est normal qu'on les cible. C'est normal parce que, par exemple, un petit jeune, Piringuel, là, qui rentre, ou De Lima et tout ça, il y a une notion qui est la notion émotionnelle dont il faut parler. C'est-à-dire que recevoir un ballon dans un match professionnel de Ligue 1, de Ligue 2, devant X 1000 personnes, ça a une charge émotionnelle, même si on sait jouer, qu'on apprend à gérer. Quelqu'un qui a déjà 1, 2, 3 saisons de Ligue 1 n'a plus ce problème, ou saisons en pro. Des mecs qui sont à leur 3e, 4e apparition, à leur 3e, 4e match pour les plus expérimentés,
troisième ou quatrième match. Et pour les autres, c'est troisième ou quatrième apparition en pro à ce niveau-là. Il y a une charge émotionnelle. On peut trouver des circonstances atténuantes à certains. Mais physique, les trois peut-être aussi. Terrain, physique, parce que là, moi, je trouve que Bakwa et tout ça, ils doivent apprendre leur métier. Donc, apprendre à gérer une répétition de match. Donc, non seulement ils n'avaient jamais joué, mais maintenant, ils se mettent à jouer d'affilée. Et on voit que de match en match, Bakwa, il décline athlétiquement, au niveau de sa lucidité, au niveau de beaucoup de choses. C'est peut-être pas qu'il perd son football, mais c'est qu'on apprend à gérer une carrière de foot. C'est pas juste se mettre sur un terrain et jouer, hein, footballeur professionnel. Il y a différents aspects. Donc, ces mecs-là apprennent encore leur métier. Les trois du milieu, non. Alors, je ne suis pas là pour… Je ne veux pas cracher. Lacou, moi, je souhaitais qu'il joue l'an dernier, plus que d'autres. Je ne veux pas cracher sur eux. Nous ciblons juste ce qui, de mon avis, est un souci dans l'équipe actuelle. C'est la défaillance du milieu de terrain qui fait que Maja ne peut pas donner sa pleine mesure parce que tous les ballons qu'il reçoit, ce sont des sacs de sable qu'on lui envoie, qu'il doit dépêtrer parmi trois ou quatre défenseurs, ce n'est pas son truc. Les ballons en profondeur pour les ailiers ne sont jamais dans le bon timing, sont ou trop loin ou trop court. Ou alors, quand on a une bonne, un bon contre à jouer, quelque chose de bon à faire, qu'est-ce qui se passe? Alors, on rejoue vers l'arrière parce que Niatenko n'ose pas se retourner ou il n'arrive pas à se retourner ou il le fait de temps en temps parce qu'ils ne savent pas quoi faire du ballon. C'est le tempo, c'est le poumon de l'équipe, le milieu de terrain. Nikos, on te redonne peut-être la parole parce que je pense qu'on est reparti effectivement sur un débat et tu as raison, hein, c'est que tu as à intervenir aussi. C'est le but d'avoir des débats comme celui-ci. Nikos, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non, je suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire Sekta. Hein. Évidemment que la charge émotionnelle pour les jeunes et tout ça fait qu'on joue moins bien qu'à l'entraînement. Ça, je suis d'accord. Mais enfin, il y a quand même des faiblesses quand même techniques criantes, hein, quel que soit le joueur. Mais je rappelle malgré tout, hein, Lacou, il n'a qu'une seule saison en Ligue 1. Hein. Oui. Il n'a pas non plus 4-5 saisons. Ignatenko, on a beau me dire, il vient de je ne sais quel championnat, on ne sait pas quel niveau, là, le championnat là-bas où, justement où il était. Donc pour moi, il n'a pas d'expérience non plus. Hein. Donc, on n'a pas de technique. Voilà. Il nous faut vraiment. Par contre, j'ai bien aimé l'entrée de Piringuel. Alors justement, on va parler des motifs de satisfaction justement et on va parler aussi du coaching de David Guillon parce que c'est un point intéressant qui est soulevé assez régulièrement, des changements un petit peu tardifs, c'est ce qu'on évoque de temps en temps. Mais sur les motifs de satisfaction, Mehdi, parce qu'on a vu tout à l'heure, et je salue Patrick Gomez qui est sur le chat, qui disait justement que tout n'est pas à jeter. Mehdi, est-ce que tu es d'accord avec cette approche-là, au final, le fait que y a quand même des éléments positifs, même dans cette défaite, au-delà de l'apprentissage? Clairement. En premier lieu, Bokele, malgré son petit raté de début de match, et pour rebondir sur les propos de Sekta, Bokele, aujourd'hui, de l'équipe de jeunes, entre guillemets, c'est le seul qui est prêt physiquement pour jouer à un niveau type Ligue 2. Donc forcément, ces performances vont se remarquer clairement. Assez, bon, techniquement, c'est très limité, mais à son poste, on ne sait pas ce qu'on lui demande le plus, je pense. Ensuite, alors, un peu déçu, mais on sent que le petit a un très bon niveau, c'est le petit Écomier. Un peu déçu de son match, défensivement très bon. L'apport offensif, il y a des pistes d'amélioration, hein, clairement. Ne pas avoir non plus être un poulet sans tête, c'est-à-dire prendre le ballon, accélérer, essayer de centrer n'importe comment, comme il l'a fait à quelques reprises. Et qu'on en dise ce qu'on veut, et je pense que le coach sera le mieux placé pour les encadrer, mais les deux ailiers en la personne de Bakwa et de Laurier Chaubé, Il y a clairement quelque chose sur la plus grosse occasion, le changement d'appui de Laurier Chaubé sur le défenseur, c'est quelque chose de très bon. Mais je pense que le seul petit souci qu'il pourrait avoir cette saison pour ces deux joueurs, c'est que le calendrier s'enchaîne tellement rapidement. Là, on le voit avec le match mardi, le match ensuite samedi. Je ne sais pas si physiquement, ils vont pouvoir répondre. Et comme il va y avoir une rotation, je pense. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est que c'est tellement serré, le groupe est tellement serré qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de rotation. Donc, comme l'a dit Sekta, c'est comment ils vont réagir, comment ils vont apprendre de ça, comment ils vont savoir gérer ça aussi.
Et pour peu qu'il y ait une petite blessure, une blessure de fatigue, parce que passer d'un niveau N3 à jouer de la Ligue 2 tous les trois jours, physiquement, ça doit être très, très, très dur. Mais dans l'ensemble, ouais, dans les jeunes, très fiers d'eux. Et quand je reprends même le début de championnat, hein, quand même, sortir 8 points, si on m'avait dit ça au tout début de championnat, à l'heure actuelle, j'aurais signé tout de suite. Hein, je vais être très franc avec vous. Secta, peut-être, pour rebondir un peu sur ces propos de Mehdi. Et après, je vais vous passer quelques réactions que je viens de recevoir depuis la zone mixte. Eh bien, je voulais, du coup, je n'avais pas eu le temps de parler de Sissoko. Évidemment que j'appelle de mes voeux sa titu. J'attends, je souhaite qu'il soit titulaire. Je pense qu'il a des choses à apporter en termes techniques, en termes de harcèlement à la perte du ballon, en termes de course, de kilomètres parcourus. Il a des choses à apporter à cette équipe. Ce ne sera pas la solution miracle. En fait, la chose, c'est de trouver le bon équilibre au milieu de terrain entre course, pressing, côté athlétique et côté technique, relance, balle au pied, tout ça. Il faut trouver cette alchimie-là, et je pense que ça passe par Sissoko, dans l'effectif actuel. Hein. Si vous me ramenez Bernardo Silva, je vous dirai que ça passera par Bernardo Silva. Mais dans l'effectif actuel, je pense que ça passe par Sissoko. C'est mon point de vue. Voilà. Ok. D'autres éléments positifs que tu souhaites mettre en avant quand même sur cette rencontre ? Le fait que j'étais aussi intéressé, donc j'ai signalé tout à l'heure que j'étais quand même soulagé que ce but soit pris, parce qu'on n'en parlera plus, hein, cette histoire de... C'était pas un bon plan, cette histoire de ne pas prendre de but. Voilà. Et ça met de la pression. Et surtout, il y a un enseignement, c'est qu'on ne s'est pas désunis. L'an dernier, les professionnels, les mecs expérimentés qu'on avait depuis 2-3 saisons, c'était la déconfiture au premier but. Remarquez que ces petits jeunes, je crois qu'on est l'une des plus grosses possessions de la Ligue 2, hein, possession de balle de la Ligue 2. Ils ont repris le ballon, ils sont remis dans le sens de la marche, et effectivement, il a manqué ce qu'on a dit tout à l'heure dans la dernière passe ou dans la profondeur et tout ça pour aller faire mal. Mais on ne s'est pas désunis, on est resté cohérent collectivement. On est resté cohérent dans le placement et on a, excusez-moi, j'ai regardé vite fait avant que ça commence les interviews des joueurs de Guingamp. Ils semblaient satisfaits de leur match. Moi, je suis leur coach, je rajoute 2 séances dans la semaine. Ils ont pris les 3 points. Oui, mais quand même, moi j'ai vu le match. Si je suis leur coach, j'ai vu le match quand même. J'ai vu le match parce que les 3 points, on leur donne. En dehors de ça, de mon point de vue, ils n'ont pas existé. Okay. Mais c'est ce qu'il va falloir quand même. Il va falloir appuyer sur ce point-là. Hein. On devait prendre une leçon de foot contre Niort, on devait prendre une leçon de foot contre Guingamp. Ouais. Bah, si c'est ça le niveau haut de la Ligue 2, bon, non, je suis désolé. Ah, mais c'est ça le niveau haut de la Ligue 2, hein, Nico. Très clair. Après, bien sûr, on est en début de championnat, donc forcément, il faut que les équipes se lancent. Tu as des grosses préparations, donc tout le monde n'est pas au plus haut niveau, mais le niveau global de la Ligue 2, moi, je pense que Guingamp, très sincèrement, hein, ça fait top 5. Hein, c'est comme ça que ça va finir. Alors, avec un ou deux bonnes recrues, on devrait y arriver. Et pour avoir remonté. En fait, j'ai, pour être très franc avec toi, j'ai une connaissance qui joue à Laval, qui sont montés. Donc, je me suis quand même intéressé au championnat de Ligue 2 l'année dernière. C'était vraiment vague. Hormis Toulouse qui marchait sur tout le monde et qui avait une réelle différence, le reste du championnat, c'était ultra homogène, vraiment. Et étant un petit peu parieur sur les bords, pour pronostiquer de la Ligue 2, chapeau, hein, franchement, parce que... À chaque match, ça pouvait jouer. Voilà. On voit Auxerre sont montés, mais vraiment, hein, c'était. De toute façon, c'est simple. L'année dernière, c'était 3 équipes. Ajaccio, qui était très fort défensivement. Je crois qu'ils ont peut-être la meilleure défense ou la deuxième meilleure défense du championnat. Et Auxerre, grâce au projet Furlan, mais sur 4, 5, 6 années. Donc, après, le championnat de Ligue 2. Très franchement, ne soyez pas choqués, mais ça va être ça toute l'année. Ça veut dire que sur des matchs, on va croire qu'on va pouvoir gagner, mais on va se prendre un but bête de n'importe d'où et on aura ce sentiment de frustration.
Messieurs, je vous propose, merci Mehdi, je vous propose d'écouter du coup la réaction qu'on vient de recevoir de Logan Delaurier-Chauvet. C'est Dorian qui vient de nous envoyer ça. Alors, on va essayer hein, techniquement, j'espère que ça va marcher. Hop, je vous l'ajoute à la diffusion. Vous avez le son, c'est bon ? Oui. Il arrive, j'avance un tout petit peu. Bonjour. Il est là. Qu'est-ce que tu retiens de ce match ? Par la défaite, bien sûr. Ben, dans le contenu, c'était plutôt pas mal. On avait la possession de balle. Après, il nous a manqué un peu de justesse dans les 30 derniers mètres. Mais bon, c'est une défaite. Ça reste une défaite. Mais bon, on pourra vite se reprendre dès mardi contre Quevilly. Justement, vous avez été mené pour la première fois de la saison, forcément. Est-ce que ça vous a troublé d'être mené si vite ? Ça vous a perturbé plutôt ? Non, ça ne nous a pas perturbé. Après, il faut... Il faut continuer à jouer notre jeu, même en étant mené, et aller chercher un but quand on peut, le plus vite possible. Est-ce que pour toi, c'est un coup d'arrêt ou pas du tout que... Non, c'est pas un coup d'arrêt, c'est le foot, il y a des victoires et des défaites. Cette défaite, on va dire que ce n'est pas une défaite encourageante, parce qu'il n'y a pas de défaite si ça reste une défaite. Mais comme je vous dis, il va falloir qu'on a match mardi. En plus, on a la chance que c'est à domicile, et il va falloir vite qu'on se rattrape, si je peux dire. Comment faire pour être plus dangereux quand même ? Parce que vous n'avez pas eu beaucoup d'occasions, c'est un match fermé. Ben, dans les 30 derniers mètres, il faudrait qu'on soit un peu plus précis dans les dernières passes et même qu'on prenne plus d'initiatives, de frappes. Vous avez senti le collectif peut-être un peu fatigué ? Est-ce que c'est ton ressenti aussi, l'accumulation du match, du niveau aussi qui change ? Ben après, c'est sûr que d'enchaîner les matchs, c'est sûr que c'est fatigant. Après, on récupère bien. Mais ouais, c'est sûr qu'enchaîner les matchs, ça fatigue, mais... Ça va dans l'ensemble quand même. Les consignes pour toi, c'était de revenir aussi dans l'axe. On t'a vu notamment au milieu de deuxième, première mi-temps, essayer de revenir, d'aller chercher un peu le jeu. Ouais, en deuxième mi-temps, j'étais un peu repositionné derrière les deux attaquants. Mmh. Et ouais, je pouvais être à l'intérieur ou aller sur le côté. J'étais plutôt libre. Mais après, sinon, de base, on m'avait mis derrière les attaquants. D'accord. Sur l'occasion que t'as, tu regrettes quand tu enchaînes Ah oui, c'est sûr. Après, je rentre intérieur et je dévisse ma frappe et je la prends extérieur. Est-ce que aussi on se rend compte du vrai niveau de la Ligue 2 contre une équipe comme Guingamp qui joue beaucoup l'expérience, qui vous a quand même pas mal embêté, qui a cassé le rythme aussi ? Non, après, c'est une très très bonne équipe de Ligue 2 et je pense que c'est une équipe qui va jouer le haut de tableau toute la saison. Mais après, en soi, je trouve qu'on a été au niveau et c'est très encourageant pour la suite. Personnellement, ça fait deux mois que tu es avec les pros. Qu'est-ce que tu peux nous dire personnellement de ton évolution depuis ces deux mois ? Au fur et à mesure, je prends mes marques. Et je suis content, j'évolue positivement. Et c'est bien. Merci. Voilà, messieurs, pour la réaction de Logan Delaurier-Chauvet qui met en avant aussi ce positionnement hein, derrière les deux, l'attaquant en l'occurrence, qui semble quand même lui convenir un petit peu mieux. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, peut-être Nikos, sur les propos de Logan Delaurier-Chauvet. Non, il n'a pas dit grand-chose hein, de très intéressant. C'est un jeune qui ne s'exprime pas la première fois devant les médias, donc il n'a pas dit grand-chose, quoi. Non, effectivement, mais c'est toujours un plaisir, en tout cas, quand même, de recevoir ces réactions en direct d'ARL et de notre ami Dorian, qui est toujours en direct du stade, et peut-être qu'on aura d'autres réactions d'ici la fin de ce débrief. On a encore quelques minutes à passer ensemble, et justement, on va se projeter un petit peu sur les prochaines étapes, parce qu'on a une semaine importante, hein, c'est un défi aussi physique de Laurier Chauvet, Logan de Laurier Chauvet en parlait il y a quelques instants, match mardi contre Quevilly, et ensuite match contre le PFC, je crois que c'est samedi, il va falloir peut-être faire une rotation, est-ce que vous voyez justement, Mehdi, je te pose la question, est-ce que vous voyez des joueurs justement intégrer cette potentielle rotation, tout en sachant justement que on a quand même un groupe très resserré avec beaucoup de jeunes. On a Albert Celis qui va peut-être rester. Hein, c'est difficile alors d'aujourd'hui de voir vraiment si le joueur va quitter les Girondins, mais peut-être qu'il y a plus de chances qu'il reste qu'il ne parte. Est-ce que par exemple, Issou Sissoko, on en parlait tout à l'heure, peut intégrer le 11 ? Et on parle aussi d'Emeric Depucé qui fait des entrées intéressantes. Est-ce que c'est un joueur qui peut intégrer le 11, par exemple, contre QRM hein, mardi ? Je pense que le coach sera pragmatique, donc il va rester sur la continuité, juste en remplaçant, je crois que c'est Niatenko qui est
qui est suspendu par Sissoko, je pense. Le retour de Mwanga, si je ne dis pas de bêtises, qui a pris un match avec un de sursis. Donc, le décalage de Bokele. Et devant, non. Devant, si on n'a pas de renfort et que ça ne bouge pas, non, je pense que ça va rester comme ça. Peut-être Ellis. Et encore, je ne suis pas sûr, parce que même si la tendance, c'est assez flou sur partira, partira pas, je ne sais pas si la direction prendra le risque de le péter et potentiellement faire une opération financière pour dégraisser et récupérer un peu d'argent. Je ne suis pas certain de ça. Non, je pense que ce sera du classique, hormis Sissoko au milieu. Ok, Secta. Oui, je pense qu'il va inévitablement y avoir quelques modifications. Pour ajouter peut-être quelque chose en complément de la question que j'ai posée aussi, et en plus de la rotation sur les prochains matchs, peut-être aussi un mot justement sur les choix de Guillaume aussi sur cette rencontre. Des entrées peut-être un peu tardives, c'est souvent ce qui est mis en avant. Est-ce que toi, tu as un avis sur cet aspect-là ? Oui, je pense que c'est dû, là je ne le blâme pas, c'est dû à ce que j'expliquais tout à l'heure. Il n'a pas vraiment beaucoup de choix. En fait, il a que des petits jeunes. Il ne peut pas les lancer trop tôt non plus parce que tactiquement, après, au bout d'un moment, à la fin, sur les 5-10 dernières minutes, on veut égaliser. Donc, on balance un peu, on peut l'apurer. Mais sinon, trop tôt, ça peut déséquilibrer. Imaginons qu'on égalise, ça déséquilibre l'équipe. Et ça, bon, il peut pas, il doit tenir compte des personnes qu'il a à sa disposition. Donc là, les changements, là, avec l'effectif qu'on a, c'est clair qu'il essaie de les faire à propos. Il faut que ce soit à propos. Après, pour la suite, il sera obligé de recomposer l'équipe. Il n'aura pas le choix parce que si ça perdure et qu'on n'a toujours pas de validation des nouveaux venus, à un moment donné, il n'y a plus de chance que ça semble compromis. Donc, moi, je pense que peut-être, Ellis, il y a un doute pour mardi parce que bon. On ne sera pas encore le 1er septembre. Mais pour samedi, donc voilà, s'il est là, il est titulaire. Point final. Ouais. Donc ça fera déjà une rotation automatique pour samedi prochain. Excuse-moi, c'est que tu as tout coupé. Je ne pense pas que dans la pensée du coach, pour moi, Ellis, il est là en supplément. Je pense qu'il veut construire son groupe et surtout. Il voit plus loin en fait. Sinon, Ellis, il serait déjà titulaire, il serait déjà sur le terrain et il rentrerait peut-être même plus rapidement au vu des prestations de Maja parce que c'est quand même très fébrile ce qu'il nous propose depuis. Tu es en train de me dire que si mercredi soir, Ellis est encore bordelais, il n'est pas dans les plans du coach ? Si par contre, à partir du moment où il ne saura pas ce que fera Ellis, partira pas, ça restera sur le banc. C'est pour ça que j'ai dit rotation, s'il est toujours là, rotation automatique pour samedi. Parce qu'on parlait de ça, hein, de la rotation et des... S'il n'est pas parti mercredi, ça fera déjà une rotation automatique parce que de mon point de vue, c'est certain qu'il sera titulaire samedi. Mais est-ce que vous le sentez dedans, là, par exemple ? Aujourd'hui, il a fait une nouvelle entrée, il a joué un tout petit peu plus. Comment vous avez senti ? Moi, perso, les entrées qu'il a faites ces deux derniers matchs, ce n'est pas une bonne publicité pour qu'il parte. Hein. Exactement. Il a amené ses qualités et tout de suite, on a vu quand même une différence. On a été beaucoup plus dangereux. On le voit, mais ses qualités, même s'il n'est pas à fond, bon, il n'a pas de rythme. Il n'a pas le ballon dans les pieds. Quoi, c'est tout. Il n'a rien, il n'a rien, mais il faut aussi qu'on lui fasse la bonne passe. Ça revient toujours à la même question. Il faut qu'on lui fasse la passe comme il faut. Pour revenir au changement, il faut aussi penser que, comme il y a le match mardi, un mec comme Sissoko, par exemple, il ne pouvait pas le lancer beaucoup plus tôt s'il compte sur lui mardi, par exemple. Il ne va pas le cramer toute une mi-temps. Donc, bon, plus ou moins tard, c'est. On connaît le résultat au jeu maintenant, donc on dit que c'était trop tard, mais bon, est-ce que ça aurait été mieux si ça avait été 5-10 minutes avant ? Je ne sais pas comment. Non, mais en plus, c'est compliqué. Enfin, pour prendre la défense un peu du coach sur ça, c'est que c'est compliqué. On est quand même. Quand on prend l'analyse complète du match, on est assez solide, on est assez. Enfin, c'est compliqué aussi de faire des changements et de se dire je vais peut-être déséquilibrer toute la chose. Les gars derrière. Hormis le but, ils ne sont pas en danger. C'est... Bon, parfois, c'est vrai, c'est à flux tendu. Donc, tu te dis,
sur un malentendu, peut-être qu'on va le prendre. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, trop tardif, non. Mais c'est... Enfin, pardon, trop tardif, oui, mais on peut comprendre aussi. Et je pense que pour la suite, il y a des mecs qui auront leur chance. Il n'aura pas le choix. Je pense que mardi, là, ça s'est vu, il y en a... Bakwa, pour moi, il tire la langue. Mm-hmm. Pour moi, Bakwa, c'est pas que tout d'un coup, il vous voyez son petit coup de rein, là, qu'il a quand il vous dribble et tout. Déjà, premièrement, les autres équipes l'ont découvert. Donc, mettre en place des stratégies pour le bloquer. Déjà, premièrement. Et ensuite, je trouve qu'il a un petit peu moins de fraîcheur. Il a un petit peu moins de fraîcheur, un petit peu moins de lucidité. Et je pense que ce n'est pas dû au fait qu'il n'ait pas de jus parce qu'il est jeune, il a du jus, il a tout ce qu'il faut. Je pense que c'est dû au fait que c'est la première fois qu'il a à gérer autant de matchs d'affilée en si peu de temps. Donc, il pique un peu du nez. Ça peut arriver pour un jeune. Donc là, mardi, je pense qu'il faudrait essayer de le faire tourner. Donc, même déjà mardi, si Elie est encore là, il peut même déjà être titulaire parce que il faudrait essayer de trouver. Tu ne veux pas le mettre sur un côté pour moi. Non, mais ça veut dire que tu changes. Parce que pour moi, Maja doit jouer. Dans l'effectif actuel, on n'en a pas vraiment parlé de Maja, mais pour moi, il doit jouer. Parce que c'est le seul attaquant. On n'a pas pris d'autres mecs, donc c'est le seul attaquant de pointe qu'on a. Et deuxièmement, je pense que si on les met à deux, tout d'un coup, ça change le Donc là, on passe plus sur un 4-3-3, mais on repasse sur du 4-4-2. Et je pense que Sissoko, si on est sur ça. Si c'est un 4-4-2, Sissoko ne jouera pas et le milieu ce sera Lacou, Franck Sergio, les deux petits sur le côté et devant tu auras Maja et Elise qui tournent autour. Ou alors le contraire. Je pense que Sissoko pourrait jouer si on le fait en losange. Oui, non, mais donc tu dois sortir un des deux petits sur le côté. Oui, c'est ça, c'est ce que je fais, oui. Et ben moi je fais ça. Je pense que le coach ne fera pas ça. On verra de toute façon mardi, messieurs. Je pense que c'est de toute façon difficile de se projeter puisque là, c'est la première fois effectivement qu'on va vraiment se retrouver dans cette situation. J'ai mis juste en avant les performances, les statistiques de Dylan Bakwa et de Josh Maja. Alors, ce qu'on peut voir, alors, Josh Maja touche habituellement très peu de ballons. Il en a touché un tout petit peu plus aujourd'hui, proche d'une quarantaine. Mais on le voit, hein, c'est toujours très, très loin de la zone décisive. Hein. C'est toujours des touches en pivot, tout simplement. Tandis que Dylan Bakwa, on le voyait tout à l'heure, a touché simplement 28 ballons. Hein. Donc, c'est, je crois, le joueur qui a touché le moins de ballons côté Girondin, un petit peu en dessous aujourd'hui. Mais certainement, je pense, Secta, je suis assez d'accord avec toi, un peu émoussé peut-être physiquement. Mehdi, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'est là où je vois qu'Elise serait important pour Maja. Maja, on a remarqué que on sait que devant le but, il est très bon. Mais il faut qu'il soit devant le but. Donc là, c'est déjà compliqué. Mais avoir quelqu'un qui prend énormément d'espace et surtout qui a un impact physique, ça permettrait à Maja, on voit qu'il a de vraies bonnes déviations. Alors je vois Nico se faire. Je t'assure qu'en termes de déviation, quand il a ballon au pied, il a des bonnes prises de balle. Il est très bon. Alors, bien sûr que malheureusement, s'il vient jouer à 40 mètres du but, tu vas pas lui donner la balle et il va pas faire une accélération à la Hollande comme il a pu faire cet après-midi. Mais je t'assure que avec quelqu'un autour, il peut être, il peut trouver sa place. Seul devant, ce serait impossible. Moi, j'aimerais vous proposer cet exercice de revisionner le match et de regarder notamment les actions de Franck Sergio. Quand on le critique, et bien regarder réellement les solutions qu'il a devant lui. Mais c'est moi, pas, il en a pas. Franchement, Nikos, Maja ne se propose pas. Je vous entends, je sais plus, je crois que c'est Albert Einstein qui a dit ça, il me semble. Attention. Si on juge un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie à penser qu'il est un idiot fini. Ce que je veux dire par là, c'est que Maja, si vous prenez un joueur avec des qualités et un style, vous voyez, je ne sais pas moi, Giroud, et que vous lui faites faire un jeu de contre-attaque en permanence, en disant, il prend jamais la profondeur, il fait jamais l'appel comme ça. Et non, c'est pas le jeu du joueur, c'est pas sa caractéristique. C'est quand on le prend, c'est pour ça que quand on monte une équipe, on prend des mecs, c'est un puzzle avec des caractéristiques en disant, je veux jouer comme ça, donc je prends des ailiers parce qu'il est grand pour déborder, pour centrer et tout ça. Donc Maja, il a des caractéristiques. Si on essaie de juger Maja à sa capacité à créer du jeu, à jouer dos au but et tout ça, ça n'a jamais été.
ça n'a jamais été sa qualité, comme ça n'a jamais été, par exemple, celle d'un joueur plus ancien, je sais pas, Jean-Pierre Papin. Ça n'a jamais été un faiseur de jeu. Donc, il s'est toujours trouvé dans des équipes qui avaient le ballon, et des équipes qui amenaient le ballon jusqu'à lui, dans un certain schéma, pour qu'il puisse faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire marquer des buts. Lui, il est chirurgical là-dessus. Vas-y, Nico, une réaction, et ensuite, je vous passe la dernière réaction du match. C'est Johan Eco, Johan Eco, Louis-Jean. Je suis désolé, mais là, je ne parle pas de contre-attaque. Je parle juste des possessions de balles de Bakwa ou de Laurier Chaubet sur les côtés, ou de Piringuel à la fin du match. Malgré tout, on ne voyait pas Maja à la réception des centres. Il n'y en avait pas de centre. Tous ces mecs-là prenaient le ballon, ils allaient tirer, ils allaient tous tirer. Dans les chemins, ça commence un petit peu. Il y a quelques centres de Pucet également. Ce sont des ballons jetés. Ah oui. Ce sont des ballons jetés. Je pense que s'ils sont deux, Delaunay Chaubet a ce petit truc-là, c'est que quand il arrive dans la surface, il ne voit plus personne. Il tire tout le temps. C'est vrai. C'est vrai, non, mais il voit pas le but, mais il tire tout le temps. Donc, il y a personne qui sert Maja, en vérité, s'il faut parler de Maja. Il est jamais vraiment servi. Et quand il reçoit pas la balle. Ou alors, il est marqué par trois mecs. Parce que comme c'est le seul, les trois peuvent se concentrer sur lui. Une fois que Ellis est arrivé, vous avez vu ce qui s'est passé? Ellis a fait quelque chose qui est mécanique. Comme il prend la profondeur et qu'il est puissant, les défenses ont peur et elles reculent. On s'est retrouvé à avoir des situations maintenant dans la surface. Alors, on poussait, mais chose qu'on n'avait pas depuis le début du match, on s'est retrouvé, allez, 20 mètres plus bas, enfin plus haut pour nous, parce que les défenses, qu'est-ce qu'elles ont fait quand il est rentré? Elles ont reculé, parce qu'elles savent que ce n'est pas la qualité de Maja d'aller vite en profondeur, donc ils n'avaient pas de souci à monter. Du coup, Ellis est rentré, ça a permis à Maja de se retrouver, et à l'équipe entière. Vous voyez, c'est une action de Maja quand Ellis est rentré? C'est tactique, oui, mais c'est tactique déjà. On s'est retrouvé 20 mètres plus haut, tout d'un coup, par magie. Et là, je comprends que tu défends de Maja, mais là, il y a débat en tout cas. Il y a un vrai débat. Il y a team Nikos ou team Secta. On va devoir en rester là. De toute façon, Nikos dernier. Je te laisse la possibilité de répondre à ça. Ellis, il est très mauvais en ce moment. Et malgré tout, quand il rentre sur le terrain, le peu de temps qu'on le voit, on ne voit que lui. Alors que Maja, même quand Ellis est rentré, je me suis dit avec Ellis à ses côtés, on va le voir faire quelque chose. Même pas. J'ai pas vu. Je suis même surpris de voir qu'il a touché 40 ballons, tellement je l'ai pas vu. Ça serait intéressant de voir l'impact d'Ellis lorsqu'il aura vraiment la tête à Bordeaux, s'il est amené à rester, effectivement, le repositionnement, l'intégration d'Ellis potentiellement en 11 de départ, et est-ce que ça aura une incidence sur les performances de Josh Maja? Il y a encore beaucoup de si, mais très clairement, effectivement, il y a un gros débat Josh Maja de toute façon aussi sur le chat. Je vous passe tout de suite la réaction du coup de Johan Eco, Louis-Jean, qui était titulaire ce soir arrière droit. C'était sa première en tant qu'arrière droit ce soir. Le voici. Bonjour. Oui. Voilà. Ça arrive. Hein. Quel est le sentiment qui ressort en premier ce match? Ça va être un scénario compliqué. On se prend un but dès la 6e minute. Et après, pour se remettre dans le match, c'est comme si on commençait avec un but de retard. Il manquait un peu d'agressivité dans les 30 derniers mètres et il manque de réalisme parce que on n'a pas eu assez d'action et on n'a pas réussi à aller chercher le match nul et on n'a pas réussi à trouver l'occasion pour marquer un but. Est-ce qu'il vous manque encore pour aller justement ces deux matchs, vous marquez pas? Apporter plus offensivement, que ce soit les attaquants, qu'il y ait plus de courses, que nous les latéraux on accompagne bien et qu'on fasse les choses ensemble. C'est un petit retour à la réalité après votre bon début de saison? Oui, c'est vrai, mais après il faut qu'on lève la tête. C'est des étapes de la vie qu'il faut encaisser. Et on est jeune, mais on est quand même prêt à ça. Et il faut qu'on se relève pour le match car il arrive très vite. Là, dans 3 jours, on rejoue un match et il faut direct être prêt pour attaquer ce match. Tu découvres ce niveau, qu'est-ce que tu retiens de ce premier mois de compétition? Toute l'intensité change car nous on vient de la réserve, donc on ne connaissait pas encore ça. Et surtout aujourd'hui, Guingamp nous a proposé un pressing dès le début. Et c'était une des équipes
favorite de championnat de Ligue 2. Donc directement, bah, il faut être prêt, il faut être prêt dans l'impact et il faut être prêt dans la tête. Vous sentez une différence de niveau par rapport à ça justement ou pas? Oui, entre qui et qui? Bah, Guingamp nous ont envoyé beaucoup quand même, parce que physiquement, bah, ils sont prêts et c'est, ils ont plus l'habitude que nous, car nous, on est plus une équipe jeune. Donc voilà, mais bon, il faut se mettre à niveau et je pense qu'on a su le faire. Mais il nous manquait justement ce but pour revenir et voilà, espérer un meilleur résultat. C'est agaçant de les voir casser le rythme pendant. Comment? C'est agaçant de les voir casser le rythme pendant toute la deuxième. Bah oui, franchement, forcément, il y a de la frustration hein, parce que bah, on connaît, après c'est le haut niveau. Hein. Ils gagnent 1-0, ils se mettent au sol, ils gagnent du temps, mais bon. Ça a pu jouer contre vous justement le fait de ne pas réussir à jamais emballer le match, jamais vraiment avoir des moments. Bah oui, forcément, il y a de l'agacement qui arrive parce qu'on on y va, mais on n'y arrive pas. Donc forcément, quand c'est comme ça, bah, c'est dur mentalement. Physiquement, vous rejouez dans 3 jours, a priori avec le même groupe. Oui. Comment vous êtes? Bah, il faut bien récupérer, là ça va être sommeil, repas, on va favoriser les massages, tout va être important, chaque chose va être importante et voilà, il faut être prêt pour enchaîner. Tu sens que ça commence à tirer ou pas? Non, pour l'instant ça va, je me prépare bien et je récupère bien. Est-ce que vous appréhendez faire un match tous les 3 jours puisque vous ne connaissez absolument pas ça vous? Non, il faut se préparer à ça parce que là on est face à... au niveau et on va pas se plaindre à dire que on est jeune, c'est pas une excuse. Donc on va être là, on va le faire. Merci. Merci à vous. Voilà messieurs pour la réaction de Johan Eco Louis-Jean qui est un petit peu plus loquace que Logan de Laurier Chaubet. Ouais, effectivement. Moi, ce qu'il met en avant aussi, hein, c'est quand même cette capacité, enfin cette opportunité, je dirais aussi, de rejouer dans quelques jours. Et c'est peut-être pas la plus mauvaise des choses, justement, après une défaite, d'essayer de justement retrouver du rythme et le rythme de la victoire, pourquoi pas contre QRM ce mardi. Nikos, avant le mot de la fin. Juste pour revenir sur Louis-Jean, il faudrait peut-être pas trop tomber sur lui, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'a pas fait un bon match, hein, mais on sent quand même qu'il a du ballon, on sent qu'il essaye de relancer proprement. Je pense que ça peut être un bon petit joueur de Ligue 2 plus tard, donc faut pas trop s'acharner sur lui, quoi. C'est vrai que son remplaçant lui a fait de l'ombre, par contre. Hein. Depuis, c'est... Vous voyez, je ne vais pas relancer le débat, mais je ne suis pas vraiment... Vous voyez, moi je n'ai pas envie de dire qu'il a fait un mauvais match. Il faisait partie de la défense qu'on a trouvée très solide. Je ne l'ai pas trouvé transpercé. Et deuxièmement, n'oublions pas, depuis ça, il rentre. Exactement, il rentre avec Elis et tout ça. Quand on prend 20 mètres... C'est plus facile d'aller faire descendre quand tu as gagné 20 mètres. Il rentre à ce moment-là. Donc, il y a une analyse tactique du match. On va dire qu'il n'a pas fait de centre, qu'il n'a pas fait ci, qu'il n'a pas fait ça. Mais quand lui, il était sur le terrain, il y avait 20 mètres de moins. Et Bordeaux jouait 20 mètres plus bas. Donc, du coup, forcément, il avait les mecs dans les pattes. Il a défendu. Et franchement, on n'a pas eu un tir. Quoi. Je ne vois pas ce qu'on reproche à ce garçon. Sauf non, de pas être fini parce qu'il a 18 ans. Il n'y a pas tant de critiques que ça hein, sur Louis-Jean ce soir. Bordeaux n'a pas pris un tir. Hein. Deux tirs cadrés. Deux tirs cadrés. Donc le but est un autre. Ouais. Donc exactement. Le but, c'est nous qui leur donnons. Donc ce n'est pas leur action. Ce n'est même pas une action qu'ils font. C'est nous qui leur donnons. Et une action, en fait, dans le match, ils ont fait. Une. C'est ça. Donc ils n'ont pas été si mauvais que ça, nos défenseurs, dont Johan Eco aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Je pense que c'est une des satisfactions quand même, effectivement, cette capacité à rester solide, c'est ce qu'on a quand même mis en avant depuis le début de la saison, et même si ce soir on encaisse notre premier but, effectivement, Gaëtan Poussin n'a pas forcément été vraiment mis à contribution. Messieurs, du coup, on arrive au terme de cette émission. Je vous laisse 30 secondes chacun, en commençant par Mehdi pour le mot de la fin. Je vous laisse être synthétique, messieurs. J'aime pas ce terme-là, mais défaite encourageante. On va espérer de meilleures choses pour mardi. Et juste un mot très bref, j'espère qu'ils pourront voir, mais Kwateng, Oudin, Medioub, Zerkan, monsieur le coach, il veut plus de vous, partez pour le bien du club, partez pour votre bien aussi, même si je sais que certains ne retrouveront jamais le contrat qu'ils ont actuellement, mais partez messieurs s'il vous plaît,
Et pour tous les amoureux des Girondins, partez, merci. On va suivre ça de toute façon, hein, la fin du Mercato. On l'a dit en début d'émission, un club Mercato Bordeaux spécial ce jeudi 1er septembre pour clore justement le tout. Une émission normalement qui va, je ne sais pas, on va voir si on fait une, deux ou trois heures. Ça se trouve, on va faire trois heures d'émission comme on a l'habitude de le faire. On en reparlera avec Nico. Merci Mehdi en tout cas d'avoir réagi pour cette première défaite de la saison. On se retrouve très bientôt. Secta, le mot de la fin également, 30 secondes. Il faudrait qu'on ait le petit tic-tic, là, le petit chronomètre. Non, je vais faire un effort. Pareil, hein, c'est une défaite, certes. Je pense que ça peut être intéressant si on ne perd pas dans la foulée. Il faut qu'on reparte sur une dynamique. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, ça peut casser un petit pas stress, mais une forme de pression qui se mettait en place sur eux. Ça y est, on a perdu, on a pris le but. Maintenant, on peut continuer à jouer. À contrario, ça nous empêchait peut-être de jouer aussi. Hein. Ça aurait peut-être empêché l'équipe de jouer vers l'avant. Je ne peux pas le dire, mais ça aurait pu, effectivement. Mm-hmm. Je suis d'accord, Antoine. Donc, du coup, ça, c'est fait. Tout le monde va pouvoir jouer maintenant et se révéler à son niveau. Donc, je pense que pour que ce soit une défaite, enrichissante, même si, bon, voilà, il faut que dans la foulée mardi, on ait le bon résultat. Parfait, merci Secta. On te retrouve très bientôt pour un autre débrief à chaud. Pourquoi pas mardi. En tout cas, un bon week-end à toi. Et Nikos, pour le mot de la fin, du coup. Vu tout ce qu'on a subi comme défaite la saison dernière, on va quand même pas se réjouir d'avoir perdu aujourd'hui, malgré tout. Hein. Juste sur les quatre matchs à venir, enfin, je comptais celui-ci d'aujourd'hui, plus les trois prochains matchs QRM, PFC, Saint-Etienne. J'espérais 5 points sur ces 4 matchs, dont un aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on va faire un exploit contre PFC ou contre Saint-Etienne. C'est entendu, Nikos. Parfait, merci messieurs d'avoir du coup participé à ce débrief à chaud. On vous le disait, donc prochaine émission, c'est lundi soir, le talk. On reviendra bien sûr sur cette défaite des Girondins contre Guingamp 1-0. Et on abordera aussi, ça se passe le lendemain, le match contre QRM. Nouveau match à domicile, hein, 2 matchs d'affilée à domicile avant d'enchaîner, je crois, sur 2 matchs à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Je ne sais plus si Saint-Etienne, c'est à l'extérieur, ça sera confirmé. On remercie, alors je sais que vous étiez très nombreux là sur le chat en ce samedi après-midi pour donner votre avis sur le débat, notamment Maja, sur Élise également. Merci à toutes et à tous, à tous les sociaux qui permettent à cette web télé de continuer de vous proposer ces programmes-là. N'oubliez pas d'envoyer du like et de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est très important pour le référencement. On est au 9300, hein, le cap est passé. Ça serait top là, si d'ici allez, quelques semaines, on pouvait arriver aux 10 000. Ce serait un bel accomplissement. Tout ça grâce à vous. Voilà, on va se quitter avec du coup le générique des sociaux. Je vous dis à très vite sur Web Girondin Télé. Allez Bordeaux, voilà, c'est une première défaite cette saison. On espère qu'il n'y aura pas autant que l'année dernière, mais moi, je suis confiant quand même. Et on va rester optimiste. Hein, Secta, Nikos, vous avez parlé de défaites encourageantes, voire enrichissantes aussi. Ça fait partie de l'apprentissage. Allez, restons optimistes. À très vite sur Web Girondin Télé. Salut. Salut. À bientôt. Ciao.